pense que la Ligue féminine en France est d'un beaucoup plus haut niveau qu'en Belgique. Donc c'était une grande différence. C'est vite, c'est beaucoup plus physique. Tous les gens savent vraiment jouer et c'est bien pour moi d'apprendre ici. Et c'est une joueuse qui a une dextérité d'extérieur et une lecture de jeu d'extérieur alors que c'est un poste d'intérieur. C'est une joueuse aussi qui sans ballon bouge très bien et puis elle a un shoot très très fiable poste haut. Emma c'est une joueuse discrète et en dehors du terrain c'est la même, elle est super discrète, elle fait pas de vagues et c'est une très bonne coéquipière. Elle a, comme on aime bien dire, elle a un IQ level assez impressionnant sur le terrain. C'est-à-dire que c'est une joueuse qui sent très bien le jeu, qui a une très bonne vision et qui est vraiment efficace. Elle est ambidextre, c'est vraiment une bonne joueuse. Ouais. Et sur le plan mental, c'est une joueuse de 20 ans avec un mental de 30 ans. Elle dégage une sérénité qui est impressionnante et pour une joueuse de 20 ans, j'ai jamais vu ça. Moi. J'ai beaucoup amélioré dans la confiance de prendre mes tirs. L'année passée, c'était pas très bien. Fred, il a beaucoup crié que je devais shooter. Donc je pense que cette année c'est beaucoup mieux. Je suis beaucoup plus vite, plus physique. Je pense dans tous les secteurs que je peux dire que je suis mieux. During the 2013 draft, she made herself available for the draft, and the prospect she was being the best young player in Europe. A lot of teams looked at her. You have to stand out a lot for us to really take considerations to take a European player. Jouer en WNBA, c'était fantastique. C'est vraiment une ligue des stars. J'ai vu des joueuses que je pensais de jamais voir. J'ai beaucoup appris. J'avais un coach fantastique. Il connaît tout de basket. J'étais le plus impressionné par les salles. C'est grand. Le premier entraînement, j'étais vraiment impressionné. J'ai regardé tout l'entraînement. J'étais pas très vraiment concentré là. As a rookie, she was impressive. I mean, she was only 19 years old when she was drafted. She played the whole season at 20 years old, and she handled herself already playing 15 minutes. Normally, you have a growth process for 22, 23-year-old rookies. But she was 20 years old. She was able to shoot the ball with consistency. She was able to rebound. She had enough strength to play the game, and her speed of the game was really well. So it was impressive to see a 19-year-old, 20-year-old play in that set. I think she has a big future ahead of her. Je pense qu'elle peut aller très loin. Il faut. Bon, là, déjà, elle s'en va l'année prochaine au Spartak de Moscou. Mais voilà, je pense qu'elle peut aller très loin. J'ai vu son coach de WNBA qui est venu aussi au Palacium la voir. Et lui aussi compte sur elle pour devenir une très grande joueuse. Moi, je pense qu'elle peut devenir une des meilleures joueuses du monde dans quelques années. Il ne faut pas oublier qu'elle vient d'avoir 20 ans. Je la vois loin, à travers la télé sans doute, parce que je pense qu'elle ira loin et elle le mérite et c'est une bosseuse. Je veux bien gagner tout. Je veux dire la Coupe d'Europe encore, l'Euroleague, être championne dans le WNBA, les Jeux Olympiques, tout. Donc je vais essayer, ça va être difficile, je sais, mais rien ne peut m'arrêter.